Comme des mannequins, ils traversent le podium, se déhanchent et saluent l'assemblée. Ces membres du personnel de la ville de Bruxelles se sont laissés prendre au jeu du défilé de mode pour présenter leurs nouveaux uniformes. Le show a rencontré un public conquis. Pas mal du tout. Très vif, très clair. C'est vrai que sur la rue, on sera vu convenablement. Mais sinon, non, bien, pas mal. C'est vrai que ça change par rapport à ce qu'on a maintenant. Ça ramène un peu de couleur. Grande nouveauté également, les uniformes se déclinent en deux collections. Une pour l'hiver et une pour l'été. Ces créations sont le résultat d'un travail de longue haleine d'une équipe de stylistes. Deux ressortissants de la prestigieuse école Lacambre font partie du projet, un défi de taille pour ces jeunes diplômés. On nous forme à travailler de manière hyper créative pour des marques. Et là, c'était bien, on avait des vrais points sur lesquels on ne travaille pas souvent à l'école, donc des questions de budget, de tissus, de normes, un nombre X de personnes habillées d'une telle façon, et ça doit être fonctionnel et pratique pour eux parce que c'est leurs uniformes. En plus du bien-être de son personnel et la mise en avant de talents bruxellois, à travers ce relooking, la ville de Bruxelles vise à renforcer son identité de capitale de l'Europe. Vous ne lirez plus d'inscriptions en néerlandais ou en français sur ces nouveaux uniformes. Sur l'avant, sur le blason, on a repris un vieux blason du 19e siècle. C'est même pas moi, c'est les stylistes, quand on leur a proposé l'ensemble des logos qui existaient pour la ville, on choisit ce logo qu'on appelle un peu vintage, maintenant dans le langage de la mode, qui est en latin. Et derrière, c'est vrai qu'on ne commençait pas à surcharger. On a utilisé le Bruxelles international parce que c'est aussi un positionnement de cette ville. L'avenir de Bruxelles passe aussi par l'international. Environ 800 agents de la ville porteront ces nouveaux uniformes d'ici 2012.